La priorité réservée au projet de l'hydrogène vert qui favorise le développement industriel du pays, produise de l'électricité à faible coût et crée des emplois dans les régions éloignées. Un partenariat gagnant-gagnant pour tous les acteurs. Écoutons Mohsen Jazouli, ministre délégué chargé de l'investissement. Cette première réunion interministérielle est la première du genre qui fait suite au discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, discours du trône au cours duquel il a validé l'offre hydrogène Maroc et il a appelé à sa mise en œuvre rapide et qualitative. Cette offre-là se base sur la disponibilité d'un foncier et l'optimisation d'un foncier. Elle se base également sur une infrastructure de qualité. Elle va permettre un parcours simplifié de l'investisseur et elle permettra également d'octroyer des incentives selon la nouvelle charte de l'investissement. Donc cette réunion interministérielle a permis de définir une feuille de route claire pour les prochaines semaines et les prochains mois afin de répondre rapidement aux investisseurs intéressés par l'offre hydrogène marocaine.